Et là, ça vient de toucher. Loïc a dû taper du poing sur la table. Loïc s'est énervé. On vient de rentrer en France. Ça y est. Non, et là, pas mentalement. Est-ce qu'on va arriver un jour? Je ne sais pas. Profite pour laver GG de tout le sel qui s'est pris, parce que franchement c'est ça les dépôts là. On a déjà montré là, ça, il y a des recoins en fait, il y a carrément des gros dépôts. Donc séance lavage, il va briller GG. Bah si, on a cartonné au rond-point. On avait fait une petite pause repas pour nettoyer le camion tout ça, et puis en repartant Deb vient de m'envoyer un message, ils ont cartonné dans un rond-point, alors pas grave hein, apparemment. Mais évidemment pour faire demi-tour, il fallait se taper deux bornes. Ouais, mais là, c'est apparemment ça va, c'est vraiment... C'est juste du matériel. C'est
C'est juste du matériel, donc on est soulagé, mais bah, ils sont un peu en panique de comment on fait les papiers. La dame, elle appelle la police. Enfin, donc voilà quoi. Donc bah, on va les rejoindre et puis on va essayer de. Essayer d'être là quoi. Enfin, on va rien pouvoir faire d'autre, mais bon, déjà c'est pas grave. Mais bon, c'est le genre de truc que ça met bien en stress quand même quoi. Ouais, et je voyais qu'ils attendaient, ils attendaient. Je dis bon, bah, ils vont nous rejoindre comme lui où il roule un petit peu plus vite. J'ai commencé à avancer, mais en fait, bah. Oui, bah, ça aurait rien changé quand non, même, hein, de toute façon, mais bon. Ça fait toujours ces moments-là. Bon, déjà, il n'y a rien. Enfin, que du matériel. On va voir. Bon, du coup, ils se sont remis sur le parking où on était stationné pour faire les papiers et appeler leur assurance parce que, bien sûr, les constats en. Comment dire ? En italien. Enfin, non, puis il faut savoir quel papier il faut fournir à l'assurance, tout ça, parce que bon, ça arrive. Il n'y a pas l'air d'avoir. Non, j'ai pas de place. Mettre en face, hein. Ouais, oui, mets-toi sur le recours là. Et puis voilà. Bon. Du coup, la voiture, quand même, bon, elle a pris un peu cher, quand même. Hein. Elle a pris un petit peu cher. Pare-brise, il a rien, mais là, et heureusement qu'ils étaient pas très, ils roulaient pas très vite. Hein. Bon, du coup, on va aller faire les papiers au garage, un peu plus loin. Donc, bon, aujourd'hui, on va pas rouler beaucoup. Là, je crois cet après-midi, ça va être stagnation. Là, il y a un coffre à changer. Mais... Bon, on va aller dormir à Venise. Hein. On est à Venise, on n'est pas loin. Voir les constats. Ouais. Bon, du coup, pour aller faire les papiers avec la dame, on s'enquiert dans une petite rue. Sauf que c'est une rue à sens unique. Et là, ça vient de toucher. Merde, je vois rien. Il y a un mur là. Oh putain. Oh. Bon, bah nous aussi, on a pété le. Oh putain, on a pété le pare-cheveux. Oh, fait chier. Bon. Ouh. Oh, pour te taire. Ouais, ouais. Bon, ça va, plus de peur que de mal. Ouais, pourquoi? Bah merde, c'est pas une. Bah là, t'as mal géré là. Pour une fois. Puis il rigole, il sourit. Ah, bah de toute façon, c'est fait, hein. Voilà, tu en es. Oh, sorry. Ah, Pierre, il y a des vélos qui passent. Ah bon. Qu'il arrive à faire sa manœuvre. C'est le bazar. Le problème, en fait, c'est que... Oui, oui, il y a du monde qui attend. Je te guide. Enfin, je fais attention. C'est que d'abord, elle a envoyé le point GPS sur mon téléphone et en même temps, elle nous a envoyé des messages. Donc, on s'est servi de mon téléphone pour faire GPS. Et quand on est arrivé, bah en fait, elle avait envoyé des messages en disant qu'il fallait pas qu'on s'enquille dans la rue. Sauf que c'était trop tard. Bon. Un demi-tour là-dedans. Cette fois, on fait gaffe à GG. Ça, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, ça va, on bloque tout le monde là. Ok. Hop, on va laisser. Allez-y, madame. C'est bon. Quelqu'un qui a guidé en même temps, super. Bon, deux cicatrices sur GG, les deux en italien sur le pare-choc avant. Ah oui, gauche, c'était ouais. Nous, et là c'est. Bon, on reprend la rue dans le sens inverse. On verra plus. Merci, madame. Merci. Ouais, pouf. Bon, allez, c'est pas la journée, hein. Bon, après 2h30 de papier, nous sommes repartis. Loïc a dû taper du poing sur la table. Loïc s'est énervé. Non, hyper compliqué, oh non, en gros, il poussait à long. Procédure.
Il voulait mettre tous les torts sur des baillots, il voulait dire mentionner qu'il y avait un pare-buve, que machin, que bidule. Enfin, tout était compliqué. Donc voilà, et en plus elle voulait pas donner l'original du constat. Elle a fait une photocopie, donc Loïc a pris la photocopie et il lui a déchiré. Oui, je lui ai déchiré en lui disant que ça j'en voulais pas, je voulais l'original qu'elle avait dans la main. Ouais. Je voulais pas leur donner. De toute façon, j'en ferai rien d'une photocopie. Apparemment, ils étaient quatre quand même. Rien d'une photocopie. Et les assurances, elle veut un vrai original, quoi. Ils étaient quatre autour d'eux. Apparemment, veut dire, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Donc voilà, Yo, il commençait aussi, je pense, à. Ah ouais, on en a. Enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, bon, on a décidé de rerouler parce qu'il est, il est presque 18h quand même, du coup, dans l'histoire. Là, je sais pas, on va s'arrêter, du coup. Et après, on va checker un endroit pour s'arrêter dans le roule. Mais du coup, on va rerouler quand même un peu parce qu'aujourd'hui, on n'aura même pas fait 150 km et on est parti depuis 10h ce matin. Tout va bien. C'était la journée perte de temps. Voilà. Ça arrive aussi, hein, c'est les aléas de la route. Donc, on va essayer de checker un spot. On va rouler un peu puis checker un spot un peu plus loin. Allez, c'est bon, on vient d'arriver en dessous de Vérone. Il est 9h, à peu près, enfin 21h. On est tous bien crevés, donc on va faire un gros dodo et on verra demain à quelle heure on reprend la route. On va déjà se poser un peu là et puis voilà. Donc clairement, on est parti à 10h ce matin, mais 21h, donc on a mis 11h, on n'a même pas fait 300 km. Et bon, on n'est pas arrivé en France. Hein. Allez, on reprend la route de bon matin. Ou de bon 10h, quoi. 10h. Ouais, on a bien dormi. Et on a bien travaillé aussi ce matin. Ouais, et Loïc, il a bien travaillé. Regardez ce qu'il m'a fait pour quand, ah, oui, je pour quand on roule. Je travaille. Et hop, il m'a fait, avec une porte de placard, vite fait, là, comme ça, le matin, il m'a fait un support. Avec en dessous, hop, un petit truc comme ça, un petit retour pour que voilà et que ça évite de glisser parce qu'en fait, suivant l'état de la route, bah, le PC il a tendance à cligner là. Je suis obligée de le mettre de le rehausser et tout ça parce que voilà ça glisse et c'est compliqué. Donc il m'a fait une petite tablette comme ça je vais pouvoir encore plus travailler quand on roule. Ça va être plus pratique. Il y aura peut-être des modifications à faire. Hein. Oui bon pour un truc vite fait c'est déjà très très bien. Et non parce que là vu toute la route qu'on fait j'en profite pour bosser un peu plus sur l'ordinateur, voilà, ça laisse du temps, c'est bien. C'est à profit ce moment-là. Voilà. Bon allez, j'espère qu'on va avancer un petit peu plus vite qu'hier. Ah bah il répond aussitôt. Ce sera bien. Ah oui, et on a Philippe de Serinov pour les t-shirts qui vient nous envoyer des visuels. Et ça va être bien sympa. Donc on est en train de voir ça avec lui. S'arrêter, faire du gasoil. On va faire du gasoil. Ouais, on est voilà, 1,95, c'est comme en France. Hein. On est content. Et on est content, parce qu'on a vu jusqu'à 2,12. 2,12. 2,12 aujourd'hui. 2,12 donc, c'est quelque chose, alors. 1,95, on fait comme tout le monde, on s'arrête quoi. C'est la fin, les amis. C'est la fin. Ouais, là ça craint le pâté quand même. Hein. On va finir en chite avec des ânes. Le gasoil, c'est terminé. Ouais. Faut aller GGG si on veut mettre des baudets devant. Hein. Ah. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Compliqué le spot de nuit. On en avait trouvé un et il était vraiment en bord de route. Je crois que j'ai jamais vu un spot de aussi proche de la route. Donc on a retrouvé un autre et en fait, on peut pas aller jusqu'au bout parce que la route n'est pas praticable. Donc on s'arrête un peu à l'arrache. Mais ça ira très bien pour une nuit. Parce que là, franchement, on n'en peut plus. Alors, il est que 19h30, mais c'est pareil, on est parti quand même à 10h ce matin. Donc, une petite pause s'impose pour la nuit. Ah, ils sont bonnets, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ils sont bonnets. Vous allez prier? Vous faites on quoi est pris en flagrant. Je me permets. Hein.
Ça fait un petit peu mexicain quand même. On a la couleur dans la couverture. Magnifique. Machallah. Machallah. Pourquoi cette tenue? Il fait moins 8. Moins 8. Voilà. J'allais filmer le passage à gué. Je vous en prie, entrez, gentes, dames et messieurs. Au chaud. Il y a ce guide sur les cailloux. Ouais. Par contre, on n'a pas pu avancer, on a voulu aller filmer. On monte pas sur les cailloux, ça glisse. Ok. Même le béton, il s'est pas tout noir. Ok, d'accord. Bon, j'ai juste montré. Voilà, de loin. Donc voilà, le passage à gué. C'est pour ça qu'hier soir, on a préféré. Yo nous a dit non, de jour, on aurait peut-être pu tenter, mais de nuit. C'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, et là, je vais pas y aller parce que là, c'est tout gelé et qu'il y a de l'eau. Mais il y en a un deuxième encore plus profond derrière, apparemment. Donc, on a préféré jouer la carte de la sécurité. Et pour une nuit, on s'est juste mis là. Et c'était bien sympa. Bon, en fait, j'ai mouillé les pieds. Et ouais. Ouais, le deuxième était pas mal aussi. Et Yo nous a dit... Voilà, les plaques de béton là en dessous, elles inspirent pas trop confiance quand même. Hein. Donc non, on a bien fait de rester là où on était, ça aurait vraiment pas été prudent. Et en plus pour une nuit quoi. Ce qu'on a dit, quand on reste plusieurs jours, on essaie d'être au mieux, mais là, ça n'est pas le coup. Par contre, c'est super mignon quand même. Hein. Normalement, c'était notre dernière nuit en France. Aujourd'hui, on a décidé de prendre l'autoroute pour faire le dernier tronçon de route et arriver ce soir à Aubagne. Alors, GG va-t-il assurer jusqu'au bout du retour en France? Qu'est-ce qu'il a avant? Ouais, je pense que c'est de la mine et du vacances. Ouais, ça doit être les mines, ouais. Je sais pas, c'est marrant. Aujourd'hui, c'est l'autoroute pour aller un peu plus vite. Ouais. Enfin, 60. Ah, ouais, 60. Super. Non, il y a les travaux. L'autoroute, bim, limitée à 60. Ah, d'accord. C'est ça, oui, c'est ça les travaux. Non, ça va le faire. Oui. J'espère que ça va pas être comme ça tout le temps. Donc, on est au péage italien, le dernier, et on va recevoir la douloureuse. Oh, ça va. Attends, avec tous les points et tout, je pensais pas. Ouais, on pensait qu'on en aurait pour plus cher que ça. Hein. Ah non, je pense pas. D'accord. Bye. Ouais. Non, bah ça va. La partie italienne, ça va. Ça va, 20 balles. Déborah, Yo-Yo, vous m'entendez? Oui, on m'entend. Oui, on t'entend. On a payé 21 euros. Un peu plus, 22 euros. Ouais, bon bah tant mieux. Ouais, ça va. Hein. On a fait quand même presque 2 heures là. Donc, ouais, il y a intérêt à faire gaffe parce qu'ils repartent vite. Hein. Et puis on va pas tarder à passer la frontière. Bon, ça y est, après... faire la vidéo, est-ce qu'il y a un camion qui perdait des tuyaux là? On vient de rentrer en France, ça y est, la frontière est passée. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de Français, Ça fait bizarre. Hein. Et encore là, on connaît pas la route, mais quand on va retourner sur des routes qu'on connaît bien, tout ça, ça va être. Voilà. Et là, du coup, on a checké un petit spot à Monaco, pile poil bien. Ah. Donc on va aller s'arrêter un petit peu, ouais. Je t'ai pas au courant. Ouais, je déconne, ça va. GG à Monaco. Sur le rocher. Non, on va aller s'arrêter manger là. Il nous restera 2 heures de route pour rejoindre Aubagne.
message se fait en me disant ce soir je vous prépare à manger, je vous fais des pâtes carbo avec des crêpes, c'est adorable. Faut s'occuper de rien, on s'occupe de tout. Bah, c'est vrai qu'on fait pas mal de route en ce moment, donc on mange un peu sur le pouce, c'est pas terrible, mais... Du coup, on va pas rentrer trop tôt non plus, c'est vrai, je vais mettre la table. Mais c'est vraiment sympa de penser, en effet, quand on fait de la route comme ça pour faire à manger le soir et tout, c'est... Après, on avoue, quand on fait les courses, on prend des petits trucs à manger sur le pouce, ouais, hier comme soir, les j'ai pizzas. Pris des pizzas et tout, parce que on clairement, aussi, on fait pas de la grande popote, et encore, t'as le temps de faire du pain ce matin, donc... Ouais, et je vais faire le boulanger ce matin. Bon, allez, go, bah, c'est reparti pour l'aventure française. Ouais. Ça reste une aventure. On va essayer de pas trop chialer. Promis. Et voilà, nous arrivons à l'aire de Cuches-les-Pins, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et normalement, elle doit vous dire quelque chose, cette aire. Nous sommes déjà venus. On est déjà venus quand on devait aller chez les Rodatus et qu'on n'avait pas pu rentrer. On était venus ici. Camping-cars sont en haut et la Via Rector est au milieu aussi. On va aller voir où on va aller se garer. Ça te fait bien. Non, mais je pensais qu'il allait se remettre droit, mais bon. Oui, je pensais que tu allais te remettre un peu droit, mais ça va gêner les autres, non? Non? Oh, gadak. Allez, c'est bon, posez. Ça dépasse pas qu'on puisse aller dans le couloir, quoi. Non, même ça, c'est pas possible, c'est toujours en train de... Ouais, ben... Le sujet de discussion de ce midi, c'est eux. Les enfants. Gérer des enfants en camion. Ou en habitat, gérer des enfants. Ouais. Parce qu'on disait que des fois, bah non, on disait que souvent ils se prenaient la tête. Bah pourquoi tu te tournes? On ne voit plus. On voit que t'as cabuche. Avec sa sœur. Et Jean-Marc il nous dit, bah c'est vrai sur les vidéos on voit pas trop tout ça qu'ils se prennent la tête. Mais on vous assure, ils se prennent la tête. Ils se prennent la tête, nous on braille. Je le sors d'où ça? Je le sors d'où? Je le sors d'où? Non, je le sors d'où ça, non, ton ami? Sérieux? Tu le sors d'où? Dans ma chambre. Si, j'ai passé le balai. Tous les jours, on le passe le balai. On dit non, après ils sont cool. Mais sauf que bah, c'est des ados quoi. C'est j'en fous pas une ramée, tout ça. Ouais. Et on leur demande juste de ranger leur chambre. Et le problème, c'est quand on a la douane qui vient visiter les camions. Je vous dis pas la honte qu'on a. Il peut même pas regarder si c'est une chambre. Ah, déjà que j'ai du mal à lui dire en anglais que c'est une chambre. Alors lui faire voir. Comment lui dire Pourquoi le mec il me montre. Ah, c'est fermé, c'est dommage. Ça, tu veux que je montre? Ouais. Non, c'est pas obligé. Voilà, on a les seuls trucs, c'est faire les cours et ranger les chambres, le minimum. Au début, quand on a aménagé les chambres, on a dit, vous inquiétez pas, ce sera plus comme à la maison, on vous dira pas de ranger vos chambres.
il n'y a pas de problème. Avec le peu d'espace que vous avez, vous allez le ranger tout seul. Ranger. Ah non. Comme ça, ça va jusque dans le couloir. Des trucs, des piles et des piles de. Tu te demandes même d'où ils sortent tout ça. Non, ça va pas dans le couloir. Oh, oh, oh. Je viens de balayer un feutre et deux Lego déjà. Il y a personne qui s'est déjà vautré dans ta trottinette ou. Ah voilà. Voilà. Ah si, et le troisième truc aussi, c'est qu'un jour sur deux, le midi, ils font la vaisselle. Oh, regardez ce regard. Oui, oui, je filme. On va montrer aux gens un petit peu comment c'est à la Lovica avec les enfants. Non, non, mais c'est dingue. Bah, mais je pense que c'est tous les, ah bah, c'est tous, ouais, les mêmes. C'est tous, mais c'est, exactement, c'est épuisant parce que c'est hyper répétitif. Et comme il nous a dit si bien Arthur tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, on lâche parce qu'on en a marre de se répéter. Et là, vous savez ce qu'il a dit, cette petite tête d'ange, parce qu'à chaque fois, oh, Arthur, il est mignon. Hein. Il a dit, vous n'avez pas assez de force mentale. Et là, vous n'êtes pas assez fort mentalement. Vous n'êtes pas assez fort mentalement. Voilà. Ouais. Il en a dans le gorgeon, comme on dit. Donc voilà. Alors, mettez-nous en com, vous, comment ça se passe chez vous. Allez. Allez, on se dévoile. Non, mais je me doute que oui, les gamins, c'est les mêmes. C'est des gamins. C'est fatigant. Mais c'est fatigant. C'est fatigant, tu fais ta journée. Voilà, c'est fatigant, pourquoi vous nous l'avez créé? Bah parce qu'on savait pas. On s'est fait rouler comme tout le monde. Je te promets qu'à la première occasion, si je peux me débarrasser de toi... Oh. Ouais. Ils ont, et puis ils répondent. Ouais, bah ouais, ils, hein, répondent. Non, mais on savait pas qu'on allait se faire avoir comme ça quand on a fait des enfants. Attends, on nous... Ah, alors toi t'es quand même un cas pathologique, faut le dire. Parce que le dernier, tu savais quand même. Oui, mais non, mais attends. Non, mais le dernier, moi jamais j'aurais pensé qu'il serait mais 10 fois plus casse-pied que les autres. Moi les deux 10 fois. C'est une... ouais, voilà. Non, mais vraiment, il y a du level quand même. Il y a du level. Et on disait, Noël, il a été super cool dans le camion et tout. Il dit rien, et voilà. Chez les, voilà. Mais en fait, c'est chez les autres, toujours. Hein. Quand les enfants sont petits, c'est pareil. Hein. Les nounous, elles disent, ah, bah, il était bien, machin. Noah, il est gentil. Noah, mais dragon. C'est une terreur, c'est une terreur, yeah, c'est vrai. Tout à l'heure, il empêche sa cousine de passer, il se met comme ça, quoi. Nada, tu passeras pas, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ouais, regardez ça, la pauvre manante là-bas. Ouais. Ah là là, les enfants sont formidables. Ouais. Sur le doigt de pied. Oui, alors on les aime. Mmh. Allez, on reprend la route cet après-midi. On s'est posé ce matin, ça fait grand bien. Et on va faire à peu près 3 heures de route. Et on emmène la virée d'Hector avec nous. Voilà, on va faire un petit bout de route ensemble. Eh, on est dégonflé. Hein. C'est pas que dégonflé? Il y a un trou. Il y a un trou. Là, pour l'instant, il y a une vis, ouais. Oh merde. Je pensais que c'était le pneu qui était pour eux, mais non. On vous a pas dit qu'avec nous, il n'y a pas une semaine qui se passe normalement. On vient de vous le dire. Voilà. Bon, bah, changement de roue. L'arme du crime. Bon, du coup, il a sorti un kit. Hop. Ouais, tu peux éteindre le moteur. Hein. C'est bon, c'est... Ouais, tiens, c'est la première fois que je vais... Tu vas voir? Si on l'avait fait où? Si on l'avait fait chez... Oui. Ça me parle, la mèche, là, comme ça. Je ne sais plus, mais en effet, je crois qu'on a déjà fait ce genre de truc. Là, bon, bah, une fois ça fait, on prendra la route. Allez, il nous aura fallu moins de 24 heures pour retrouver la mentalité française. Ah non! Quand on est sorti de l'autoroute... On s'est fait faire un doigt avec Arthur, toi t'étais derrière. Oui. Bah parce qu'en fait on avançait pas assez vite, certainement ça. Ça c'était trop sinueux de fou. Il nous a doublé, il nous a klaxonné. Donc bah je sais pas, klaxonné, j'ai reklaxonné aussi. Et puis après bah il m'a fait un doigt comme ça par la fenêtre. Voilà. J'ai dit d'accord. Et là je dis à Arthur, bienvenue en France. Voilà. Et là continue. On sort de l'air de camping-car. De Cuges-les-Bains, là par contre de je le dis. Cuges-les-Bains. Et apparemment les habitants ils ont pas besoin ici de tourisme puisque le monsieur l'a croisé, il nous a laissé passer, jusque là tout va bien. Ils ont l'air de camping-car mais ils ont pas besoin de touristes. Ouais. Loïc le prévient qu'il y a un autre camion qui arrive derrière. Il a dit c'est interdit au plus de 3 tonnes 5 pour risquer une amende. C'est vrai qu'il a pas crié non plus. Il a dit vous savez que
c'est interdit. Oui, il dit, vous savez que c'est interdit aux 3,5 tonnes, vous risquez une amende, moi je vous le dis juste comme ça. On lui dit, bah oui, mais bon, il y a une aire de camping-car, il y a un moment, il faut bien qu'on s'arrête quelque part. Et on lui dit, bah c'est dommage parce que il dit, si on peut pas y accéder, on peut pas consommer dans le village. Ouais. Il dit, mais de toute façon, nous, on a besoin de personne. Voilà. Bon, bah écoutez, monsieur. Et ben, bah, on lui a dit, ça tombe bien. Et à jamais. Et c'est un truc de fou parce que. Ils ont plus besoin de nous. Oui, le petit bout là, il est interdit aux 3,5 tonnes. C'est quand même dommage de faire une aire de camping-car payante et de pas avoir besoin de touristes quand même. Hein. Ouais. C'est... Alors, je pense quand même que clairement, si on avait eu un camping-car poids lourd, ça n'aurait pas été pareil. Mais nous avons un camion. Je pense aussi. Donc, oui, mais c'est un machin qui brille tout bien. On est croisé la police municipale. C'est pas compliqué. L'allemand qu'on a vu. Oui, qui vient d'arriver, c'est un poids lourd. L'allemand qu'on a vu avec sa remorque, il est poids lourd puisqu'il a les logos angle mort. C'est au-dessus de 3,5 tonnes ou de 7,5 tonnes, je crois. Donc lui, on lui a rien dit. Mais lui, on lui dit. Mais bon, voilà, c'est un peu le. Nous, en camion, ça passe beaucoup moins bien. On est trop. Voilà, ça fait trop route, ça leur goût. Et là, on est quand même sur la Côte d'Azur. Donc voilà la mentalité française de certains. Attention, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Non, heureusement, non. Tout le monde n'est pas pareil. Mais on a déjà le bon contraste de mentalité sur l'accueil des voyageurs et l'accueil des gens tout court. Ce n'est pas du tout pareil. Voilà, bon. Voilà. De toute façon, il fallait qu'on retourne dans le bain, on le savait. Un doigt d'honneur et on a besoin de personne. Et on a besoin de personne. C'est magnifique. Vive la France. Voilà, on est en Camargue et il pleut. Voilà. C'est pas joli joli tout ça, hein. Oui, ça c'est clair. Bon, c'est officiel, mon cerveau ne veut pas connecter sur notre retour. Parce qu'on est en train de regarder, il faut qu'on aille mettre du gasoil. Et là, lui qui voit 2,34, je vois. Et dans ma tête, je me dis, wow, plus cher qu'en France. On est en France. On est en France. Tout à l'heure, on passait devant des magasins, je sais pas, ça c'est marrant, ça rappelle la France, les enseignes. De fou. Non. Après, si tu veux pas rentrer, on rentre pas. Hein, et on est déjà rentré. Il rame, hein. Il rame le cerveau. Il fait ça. 9 mois, ouais. Bon, non, pas, un peu moins quand même. Ouais. Un peu moins. Oui. Mais ouais. Voilà, un petit temps de se dire qu'on n'est pas à l'étranger. En fait, c'est même pas être dans n'importe quel pays, c'est d'être en France, de pas être à l'étranger. Ça fait tellement longtemps que voilà, on n'a pas vu des trucs français de partout que je suis perdue. Et tout à l'heure, c'était c'est marrant par rapport à l'Italie. Oui, orange d'Espagne, ils sont en Italie, ils vendent des oranges d'Espagne. Ah non, bah oui, non, c'est vrai, t'as dit ça. Ouais. Non, l'Espagne, elle est juste là, pas loin. Ouais, c'est. Je sais pas combien de temps il va mettre avant de réinfuser l'info. En même temps, on n'est pas dans notre région là, on est encore à l'étranger, on est dans le sud. On est dans le sud. Ouais, c'est comme si c'était un pays étranger. Bah oui, il pleut. Il pleut. Dans le sud. Pourtant, il pleut. Ça devrait nous rappeler. Ouais. Voilà, il y a des palmiers. Qu'est-ce que vous voulez que je m'y retrouve aussi? Des oliviers. Des oliviers. Ah, là. Pas ça, nous, chez nous. Ouais. Bon, là, il n'y a rien qui fait pour que je m'y retrouve. Hein. Il pleut, il y a des oliviers, des palmiers. Ouf. Bordel, hein. C'est le brin. On peut pas vous laisser, hein. On peut pas vous laisser. On est parti, on revient, c'est le brin. Ouais, bon, allez. Ça va le faire. Je remets mes fils qu'ils arrêtent de se toucher dans tous les sens. Il va falloir que je les reconnecte comme il faut. On va avoir besoin un peu de concentration. On va arriver de nuit là. Aussi. Le spot, on regarde le spot ce matin. Il dit, il me semble qu'on avait dit ce matin que quand il y avait 2h30 de route. Ah oui, au début, oui. Oui, à la base, il y avait 2h30 de route, sauf que Deb, elle avait oublié d'enlever l'option sans péage, enfin avec péage. Et moi, ce matin, j'ai bien vu qu'il y avait 3h et des bananes. Donc on est parti tard. Qu'on a checké, sauf qu'on n'est pas parti de bonne heure. Voilà. Là, il va faire mouille. Il va faire mouille. Ouais. C'est comme ça. Le spot de nuit. Non, oui, alors en plus, oui, il pleut. Alors on s'est dit, le spot, ça craint pas trop avec la pluie? Quand on a checké le spot. Verra ça en arrivant. Voilà, allez, encore une heure de route. Ouais. Aujourd'hui, la route, elle est interminable. On a galéré pour trouver du gasoil le moins cher possible.
Là, on arrive sur le spot, c'est comme ça. Entre les bouchons, les attentes de train. Il est bientôt 20h. Et là, on n'est même pas... On n'est même pas... Oui, il nous reste 1,6 km, mais... Ouais, c'est à glisse. Ouais. Est-ce qu'on va arriver un jour? Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Heureusement, c'est bien, déjà on a la rampe de phare. On voit vachement bien. On arrive, bon, il y a du monde, mais pour ce soir, ce sera très bien. Ah oui, on a fait laisser le spot. T'as ta place à droite, Sophie. Et ok, merci. À droite et à gauche, regarde. On va bien voir si ça passe aussi. Ouais, alors, les réducteurs, ils ont commencé à s'enquiller, mais là, c'est les branches, c'est pas terrible. Ouais, pas simple. Hein. Du coup, Loïc, il a regardé avec le gars, en fait, les signes de lampeur, je sais pas ce qu'il nous connaît. Et il essayait de nous guider et tout ça. Ah ouais. Ah ouais, ils sont en train, il y a Virédector qui est en panade. Pourquoi ils passent pas par comme nous? Ouais, c'est compliqué là, les spots de nuit, de toute façon, c'est toujours le... toujours compliqué ça. Autour d'un monde, ils ont fait demi-tour. On va y arriver. Bon, du coup, Sophie et Jean-Marc sont passés par la même route que nous. Hop là. Si je vais pas me décaler moi. Non, ils arrivent. Ouais, non, mais il y a une sacrée marche là. On la voit pas bien, mais alors elle est traître. Hein. Ils sont dans les cailloux là.